de Angine Bobo. Magellan, à quoi André? Comment le monde? Aboli, Tobok, Paris, Bolé. Aboli, Tobok. Partagez, partagez, vous me voyez? Partagez, partagez, vous me voyez là? Je suis en poste le week-end comme ça là. Je vais avoir un bon bouillon. Écoutez la chanson, hein. Partagez, partagez, vous me voyez? Partagez. Quand d'après? Madonna, you know the zero. En gros, c'est comme ça qu'on déjeune le matin. Moi-même, je viens de préparer ça. C'est comme ça, le bouillon. Aboli yo, Tobok, 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 Tobok. Une bonne bière bien fraîche en début de congélation. Viens baisser un peu. On va manger après.
Alléluia. Ma grande soeur Derée, j'ai failli te bloquer. Heureusement que c'est toi. Le mensonge avec qui toi tu fais ça pour m'énerver. Ma grande soeur, je t'adore. Madame la directrice, me met Derée. Delphine Marie Yangamfoma. Ma grande soeur à moi. Ma new cigare Yandi. Ma taria. Ma puce. Moi, la main entière, appelle à Yavi, tout le monde, je fais comme un homme. La présidente de la marée, Marie-Nicole de Montréal, 12 et 3. Ta main de meilleur. Ta main de meilleur entier, 4. Merde alors. Y'a une new cigare, y'a un dit. Je fais comment? Je garde tout. Je suis une vraie fille petite. Une vraie fille Yaoundé. D'accord? On a parlé. C'est au cigare maintenant. Le sabotage au entier. Tout dépend dans la vie comment tu fais ton lit. Quand je mange ma nourriture, tu viens te mettre ta salive dedans. Je fume mon cigare. Tu apportes ta grosse bouche. Voilà. Bonjour à tous.
bon samedi. Bon week-end. Ça va? Vous vont bien? Quand on a des vérités à se dire, il faut se regarder face à face, face to face, les yeux dans les yeux. Si je viens faire ma vidéo aujourd'hui, tout d'abord, je vais faire comprendre à tous ceux qui ont eu à me soutenir et qui continuent à me soutenir. Mais je vais faire cette vidéo aujourd'hui. Je ne vais pas vous écouter. J'ai été insultée, lynchée, affichée. Mon adorable mari, mon assurance vie, mon pineur à vie, le père de mes enfants, mon mari a été caricaturé ici, sur la toile. Mes enfants, mes bouts de choux, mes adorés, ma chatte que j'ai là, ça peut encore pondre. Mais quand on a déjà un certain âge, on s'abstient. J'ai eu à faire des écarts dans la vie. Ce sont les étapes que j'ai eu à traverser. C'est pour ça que mes enfants ont des écarts d'âge. D'accord? Je ne suis pas là pour raconter ma vie. Mais écoutez très bien ce que je dis. Parce que je vais répondre à certains individus. À certains individus. Mon frère chéri. Mes frères. Je parle d'abord de celui que j'ai perdu l'année dernière. Ce mal-là nous ronge encore dans la famille. On a perdu un être cher. Il a été déterré. Paix à son âme. Celui qui le suit, mon grand frère, toujours, a été affiché avec sa copine. J'ai pris tout ça sur moi. Mon petit frère, soi-disant mon cousin, comme vous connaissez la vie des gens, mon petit frère, le dernier, Richard Ngamba, qui est aujourd'hui. Commencez déjà votre sorcellerie. Je n'ai même pas encore commencé. Que vous voulez déjà commencer ça. On va arriver. Moi, je suis une croyante. Mon petit frère, Richard, le dernier. Vous avez vu comment on est beau? Vous l'avez affiché ici. Avec son enfant. Ma maman chérie. Ma mère à moi. Celle qui nous a mis tous au monde. Cette femme. Vous l'avez prise. Vous l'avez mise sur la toile. Pourquoi? Par rapport à quoi? Pour des saletés. Vous croyez que si on reste tranquille parce qu'on ne peut pas, on a peur de répondre. Nous tous, on peut être bêtes. On peut être animal. Et je représente les bêtises. Donc imaginez comme vous êtes là. En train de marginaliser les bêtises. Je suis sauvage. Moi, je vous dis ça. Je suis née et grandie en Vogada. Monte Cavo. Vous entendez? J'ai été insultée ici. Correctement et bien. Parce que je viens sur la toile. Parce que j'apprécie quelqu'un. Ça devient une histoire de tribalisme. Parce que j'apprécie Fleur de Lille. Fleur de Lille. Mon petit bijou qui fait partie maintenant de ma famille. Parce que je l'apprécie. Mais vous êtes qui? Quand elle me lève le matin,
Je fais mon manger comme ça. C'est vous qui me donnez à manger. C'est vous qui m'avez amené ici à main, comme on dit souvent. Attention, hein. J'aime encore Fleur de Lys jusqu'à demain. Jusqu'à après-demain même encore. Bientôt, vous allez voir. Donc, arrêtez un peu ça. Parce qu'elle est Bamileke. Qu'est-ce que vous appelez que Bamileke? C'est une tribu qui est abandonnée. Que vous savez récupérer quand c'est pour un intérêt. Maintenant, quand ça ne va pas, vous vous permettez parce que c'est une Bamileke. On est tous un. Moi, je ne suis pas tribaliste. Je viens de Yaoundé. Monte Cavo. Comprenez? J'ai de la famille. Et une très grande famille. Et je respecte ma famille. C'est pour ça qu'il y a certaines choses que je ne peux pas me permettre de faire. Par respect pour ma famille. Vous comprenez? Mais ne poussez pas les gens à bout. Quand on est à Yaoundé là, je dis que je suis du centre Monte Cavo, Yaoundé. Ça veut dire qu'à Yaoundé, je ne prends pas le PEP pour aller dans mon village. Taxi 100, ça me dépose. Vous avez encore les destinations à faire en dehors de Yaoundé. Quand l'avion vous laisse là. D'accord? Donc il faut arrêter. Hein? Arrêtez ça. Vous faites encore des kilomètres pour arriver dans vos villages. Et encore si on vous connaît là-bas. Et encore si on vous connaît là-bas. Pour une histoire que je ne connais pas. Vous venez m'afficher. Vous affichez toute ma famille. Ma maman. Ma maman. Je ne vous insulte pas. Mais pour vous faire comprendre que si on reste tranquille, parce que moi, j'ai encore des valeurs qu'on m'a inculquées, mais ça n'empêche que je peux me lever et m'énerver et dire stop. La vérité est sortie. C'est encore Doudou qui allait parler. Je suis ici à Lieu Saint. Je suis à Moissy. J'ai deux domiciles. J'ai deux domiciles. Allez dire. J'ai comme ça. Vous avez compris? Vous vous permettez, n'y a yabi l'ambiance, n'y a quoi besa, un tombon guan vorada, n'y a quoi besa, zéni n'y a coupé n'y a noal, motim fangé lang wonunga kitem nazap, zéni n'y a narbi tout manual, on ne salit pas ce qui est propre, d'accord? Mon mari va vous piner pour des 15 euros là, ok? Au moins il vous donne encore à manger. Quand tu dis que tu as un cœur. Tu dis que tu as un cœur. Tu n'es pas méchante. Tu dis que tu n'es pas méchante. Mais tu fais feu à volonté. Sur qui? Voilà ça qui est arrivé, hoha, sur toi. Voilà ça. Voilà ça qui est arrivé, hoha, sur toi. C'est moi qui suis encore allé dire là où tu travailles. C'est moi qui suis encore allé dire quand tu venais prendre ton argent ici hier. Bela. Avant de venir regarder mon cul, hein, regarde d'abord le tien. Tu as compris? Moi, au moins, je peux dire aujourd'hui que je suis assise. Ici en France et au Cameroun. D'accord? Je suis assise. J'arrive au pays. J'ai ma famille qui se déplace encore pour moi. J'ai mes oncles. Alors, j'ai le respect par rapport aux valeurs qu'on m'a inculquées. C'est pour ça que je ne me permets pas certaines choses. Donc, arrêtez ça. Arrêtez ça. Tous ceux qui m'ont appelé, j'étais en froid. J'étais en froid avec ma famille à cause de toi. Soit disant que tu me connais, tu ne peux pas vendre ta soeur. Mais je ne me suis jamais permise. Tes propres soeurs sont venues m'insulter alors que j'ai eu à écouter des choses qui venaient de tes propres soeurs. Si je voulais te vendre, je n'allais pas attendre. D'accord? Je te servais comme ça sur le plateau. Je n'allais pas attendre, étant donné que c'est ici en haut. Là, tu as eu la chance. Parce que ma part ne tarde pas, je disjoncte ma tête là. Comme il y a quelque chose dedans, c'est comme ça que ça peut tourner aussi au vinaigre. Je n'allais pas avoir besoin de prendre la voiture. J'allais marcher à pied, parce que pour me prendre la voiture, les stops, les feux rouges, ça allait me déranger, les embouteillages, quelqu'un qui me gêne. À pied, j'arrivais là-bas.
Donc toi et ta bande, vous êtes mélangés pour moi venir étaler ma famille. Une noble famille. Je suis dans la noblesse. Je suis née dedans. Je suis née dedans. Je suis belle. J'ai un beau cul. J'ai le matos qu'il faut. Et mon mari m'a choisi. Vous voulez salir la vie de qui? Vous voulez salir la vie de qui? Il est donc venu là-bas. Pourquoi il ne vous a pas pris? Parmi les mbok, non? N'est-ce pas, il a choisi? On chante souvent chez nous comment? Il a choisi, non? Je suis la mère de ses enfants et je resterai. Sa femme, Avina Piang, Nyaorulun, Anyakoro, Ebitumilan, Mboual, Mbop, Avebite, Avebite, Zemie Soukoum Viranual, Zemente, Zemente, Mitante Bobni Beben Tabo. Tu dis que tu aides les orphelins. Laisse-les là où ils sont. Laisse-les là où ils sont. Ils n'ont pas gagné un concours pour que leurs parents meurent. D'accord? Tu as un cœur noir. Noir. Je me suis déjà réveillée. Il faut souvent vous calmer. Moi, je vous dis ça. Moi, ne provoque pas. Je suis une fille très croyante. Et je vous avais dit ici sur la toile que ça va péter. Ça pète où? Merci, Lolo. Merci, Lolo. Merci, virus. Voilà ça qui sort. Ça pète où? C'est encore moi qui ai ouvert ma bouche. Si au moins tu savais lire, ça allait t'aider toi-même avec ta conscience que quand tu dors, tu comprends que non, tel a écrit ça, tel a écrit ça. Tu essaies de réfléchir toi-même. On te dicte encore à ton âge et tu viens étaler la vie des gens. Tu viens étaler la vie des gens. Ce n'est pas parce que je crois en Dieu que je ne peux, j'ai pas le droit de m'énerver. Non, moi je ne suis pas Jésus. On a accroché comme ça sur la croix. Chacun vient, il donne sa part. Je peux m'énerver et je peux donner mon ressenti. Moi, j'ai souffert de ça. D'accord? J'ai souffert de ça. Je perdais mon ménage. Vous parlez de quoi, là? Vous parlez de quoi, là? J'ai une petite fille adolescente. Elle tombe là-dessus. Qu'est-ce que ça va être? Pour gagner quoi derrière? Vous parlez de quoi? J'ai une petite fille adolescente. À cet âge-là, ça ne blague pas. Comme vous ne savez pas ce que c'est que l'adolescence. Je suis restée tranquille. Même pour ton respect, même pour te faire comprendre. Alors aujourd'hui, la vérité est sortie. Et non de ma bouche. Regarde-toi ton cul avant de regarder le mien. D'accord? Regarde-toi ton cul avant de regarder le mien. Et la prochaine fois, tu sauras à qui parler. Comme tu as les gens qui sont là derrière toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais comme ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta tête? Quand toi-même tu dors avec ces gens-là? Moi, je ne suis pas dans les clashs. Je suis seulement venu montrer que la vérité, je suis une fille qui croit en Dieu. Arrête, Nicolas. D'accord? Je suis une fille qui croit en Dieu. Et le deuxième temps, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Moi, je pose mes genoux au sol. Tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que je suis, tout ce que je deviens, parce que je pose mes genoux au sol. D'accord? Je pose mes genoux au sol. Je me contente de ce que j'ai. Reste dans ton couloir. C'est tout ce que je voulais te dire. Jusqu'ici, je te respecte. Et fais très attention à tes gens-là. Dis-leur. Parce que ce sont tes propres gens même qui viennent étaler ta propre vie. Il y a des choses que je ne savais pas sur toi. Aujourd'hui, je le sais. D'accord? Aujourd'hui, je le sais. Tu me laisses avec ma fleur de lit tranquille. Tu me laisses avec elle. C'est elle que j'ai choisie sur la toile. Point barre. Parce qu'elle, au moins, elle a un cœur. Elle, au moins, elle sait écouter. On ne la dicte pas. On ne lui dit pas que fais ci, fais ça. Mais elle réfléchit. Pourquoi? Parce qu'elle est quelqu'un, elle est quand même quelqu'un qui a un cerveau. Que quand elle va dormir, elle se dit que non, telle personne m'a dit ça, telle personne m'a parlé comme ça. Voilà. Descends. Donc moi, je crois en Dieu. Et je prie beaucoup. Quelqu'un qui s'attaque à moi, j'ai mon chapelet. Ce n'est jamais loin. J'ai mon chapelet.
Et je vous ai approuvé ça sur la toile. Que moi, j'ai mon Dieu, j'ai ma foi. J'accepte tout ce qui m'arrive dans la vie. J'accepte. Parce que c'est lui-même qui a écrit. Mais quand je sais que je ne connais rien et que je n'ai rien fait, on ne peut pas se permettre de salir une famille comme ça. Toi-même, tu connais ma famille. Tu sais d'où je viens. Si tu ne connais pas, je te dis et je te réitère. Je te marque même ça. Je suis de Mvoga, dans Monte Cavo. D'accord? J'ai encore ma famille là-bas qui compte sur moi, même si j'ai perdu mon papa. Il est mort dignement. Mon grand frère que vous avez déterré là, ne faites pas que je l'invoque et qu'il se retourne contre vous. C'est que vous aurez le pire, pas ce que vous avez là. Vous aurez pire. Attention. 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 Je reste tranquille pour l'amour de ma famille, pour les valeurs qu'on m'a inculquées. Pour ces valeurs-là. Donc, je ne veux pas. Quand vous voyez souvent les gens, il faut les laisser tranquilles dans leur coin. Les faux profils qui insultent là. Manel Eda. Bec, bec. Ungaz me taire. Vous ne fangez pas un petit. Tu as un faux profil. Mais derrière un faux profil, il y a une personne réelle. Mais moi, je parle avec mon vrai profil. Vous ne fangez pas un petit. Vous ne fangez pas un sourasout. Zaï, woman, ou kamen, menoua. Donc tu as, c'est normal que tu te caches. Parce que tu as vu que ce, là où quand je me suis là, je suis positionné. D'accord? Toi-même tu sens que tu ne peux pas. Donc continue à rester dans tes ténèbres. Mais attention, je suis derrière toi. Tu crois être caché. Je suis derrière toi. Kalga. Kalga. Vous permettez, vous prenez les photos des mamans des gens, des enfants des gens. C'est déjà devenu quoi? Vous venez mettre sur la toile et vous dites que vous faites les dons. Vous faites les dons. Ton cœur là, tu comprends? Ton cœur là, faut d'abord l'adoucir. S'il était noir, fais-toi toi-même ton examen de conscience. Laisse ces enfants tranquilles. Avant toi, ils vivaient. Avant toi, ils avaient les gens qui leur donnaient à manger. Ce n'est pas parce que tu es arrivé. Tu ne peux pas faire que tu vas, tu dis que tu fais les actions humanitaires de ce genre. Tu comprends? Et tu reviens exposer les enfants d'autrui. Tu n'es même pas capable, ne serait-ce que, de défendre ceux qui sont avec toi. D'accord? Je suis resté calme parce que j'avais du respect encore pour toi. Et pour le respect pour ton entourage. Mais pas parce que j'avais peur de vous. Parce que j'avais peur de vous. Mais un fangouan petit, je vous dis ça. Un fangouan petit, à temte mon gros là. Je ne me permets pas n'importe quoi. Parce que j'ai encore ces valeurs. Je vous dis ça. J'ai encore ça. Je ne peux pas me permettre. Donc arrêtez. Demanou, je crois que tu es un peu partout. Hein? Mais je vais te répondre en direct. Quand on a vraiment la paix, je ne sais pas où tu es pasteur, où tu es quoi là. C'est comme toi, tu écris là. C'est comme ça que je te vois aussi un peu partout. D'accord? Si tu es vraiment quelqu'un de paix, viens savoir si je suis vraiment quelqu'un de paix. Ça ne se limite pas sur la toile. Donc je ne vais pas faire comme les autres. Tout de suite, mettre, englober, emballer et te mettre une étiquette. Non, je ne suis pas comme ça. D'accord? Je ne suis pas comme ça. Donc, je préfère m'éloigner. Je t'évite. Je préfère t'éviter. Mais vous dites qu'il faut faire très attention. Je quitte sur le soleil. Le soleil est vite arrivé. Je suis un enfant béni. Vous avez vu, je parle, le soleil arrive. C'est comme ça que je brille. C'est comme ça que je brille. Donc, il faut arrêter ça. Quand vous voyez les gens tranquilles, ce n'est pas parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'autour, on a fait un travail sur moi. On a fait un travail sur moi. Je vous dis ça, qu'on a fait un travail sur moi. Tel que je me connais. J'allais me lever. Je n'ai peur de personne. J'ai mes kaolo. Mes enfants sont French. D'accord?
et mon assurance vient là. Hormis ça, je compte d'abord sur moi-même. Donc quand je vais engager un problème, d'accord, j'ai réfléchi à tout ça. J'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à ma maman. J'ai pensé à mon frère que je venais d'enterrer. J'ai pensé à mes frères. J'ai pensé à ma petite sœur. J'ai pensé à mes neveux. J'ai pensé à tous ceux qui me sont chers. J'ai pensé à mes enfants du Cameroun. J'ai pensé à tout ce monde-là. Tout se compte sur moi. J'ai avalé. J'ai bu. Pour vous dire que j'ai eu une douleur. Là. Et ce matin encore, je vois mes enfants qui sont là. Méfiez-vous avec la crainte. Avec ceux qui blaguent avec Dieu là. Méfiez-vous. Moi, je vous dis ça. Méfiez-vous. 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 La vérité est sortie. Esquivez les gens. Esquivez les vies des gens. Esquivez les vies des gens. Esquivez les vies des gens. Je ne pleure pas pour vous, mais je pleure pour la douleur que j'ai eue. Que si j'explosais, toi là, toi qui as organisé ça, retourne à l'école. Que la Zoukoulou, on t'accompagne comme j'accompagne petit Nicolas. Retourne à l'école. Parce que l'école est très bien. Et l'école de la vie. Et je pense que si tu avais un seul instant respecté ta maman, tu n'allais pas te permettre de faire ce que tu as eu à faire. Et comme tu as du mépris pour ta maman, tu penses que tout le monde est pareil. Et tu veux venir salir tout le monde. Ma famille me respecte. Et j'ai une très grande famille. Et qui compte sur moi. Quand vous faites certaines choses, mesurez souvent les conséquences. Tu ne me connais pas. Tu crois me connaître, mais tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Ça allait très mal se passer. Ça allait très mal se passer. Je ne me mêle pas des problèmes des gens. Je ne m'occupe pas de la vie des gens. Je ne provoque pas. Il est hors de question qu'on vienne me provoquer. Mes enfants. Mon mari. Ma maman. Ça, c'est la larme de douleur. Pour te dire à quel point la souffrance que j'ai eue, que tu m'as inculquée. Et j'ai cru en Dieu. Parce que quand tu n'as rien fait, et qu'on vient t'accuser au grand jour, tu ne sais pas ce que tu faisais. Mais je crois que tu vas t'en rendre compte. Je crois que tu vas t'en rendre compte. Et ça sera très catastrophique pour toi. J'espère que tous ces gens-là qui t'encouragent seront là. J'espère. La vérité est sortie au grand jour. Ce n'est plus Doudou Ngamba. Min lang, baby lang, mi tutsuei lang, min kang, min tang, min tangite. Mvit, kop, abwam, mboalite. Yes, mokoum viranual, en de bozamiso. Dès qu'il y a moins de tic-tac, vous venez accrocher. Dès qu'il y a moins de tic-tac, vous venez accrocher. Vous aimez entendre que vous affichez les gens. Vous aimez entendre que vous affichez les gens. Vous savez combien de familles vous êtes en train de détruire avec ça? Vous savez les familles que vous êtes en train de détruire derrière? Mais j'ai les dents. Mes amis, j'ai fait les dents. Envoyez-moi l'argent. Tu détruis les familles d'un côté et tu dis que de l'autre côté, tu es en train d'aider les orphelins.
C'est ici, sur la toile, que tu as fait Roha. Pendant que moi, je t'appelais derrière pour dire que non, ma soeur, ce que tu fais, ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Ne fais pas ça. Ça ne t'a pas manqué, toi, de venir m'étaler. Je t'avais fait quoi? Pourquoi tu ne pouvais pas prendre le téléphone et m'appeler aussi derrière? Tu as causé avec ma maman. Tu méprises la maman de qui? Va étaler la tienne comme tu l'as étalée, mais pas ma mère. Elle connaît quoi dans Facebook? Elle t'a parlé comme un enfant, comme une maman parle à un enfant. Maman, des ciseaux. Les autres, tu les appelles les tatas, mes tatas qui m'adorent. Mes tatas maman, qui m'adorent. Maman. Maman, d'arrêt. Faut faire attention. Hein. Faut faire attention. Parce que vous ne manquez pas que j'ai eu mal. Et si je venais te trouver là, remercie tout cela. Et remercie le bon Dieu. Parce que le soir, quand je me couchais, je disais, Seigneur, calme-moi. Je ne peux plus me permettre de faire certaines choses. Je dis à les enfants. J'ai des gens qui comptent sur moi. J'ai ma maman même qui compte sur moi. Donc je prie Dieu tous les jours. Que le Seigneur lui prête la vie. Tu as déterré moi. Tu as déterré mon grand frère. Que tu as connu. Achille Ngamba. Tu viens le caricaturer sur la toile. Tu te rends compte? Mes enfants, soi-disant tes enfants, ils sont différents de ceux que tu vas aimer là-bas. Parce qu'ils sont orphelins. Tu crois qu'ils ont gagné un concours pour être orphelins? Toi, tu es encore ta maman. Tu lui montres quoi? Quel amour que toi, en tant qu'enfant, qu'elle a eu à te garder. Quel est l'amour que tu lui montres? Je suis sûr qu'elle te conseille. Mais tu n'es même pas capable. Ne serait-ce que d'écouter ce conseil-là. Tu viens afficher ma famille. Vous blaguez souvent. Hein. Pourquoi? On ne vient pas tous sur la toile pour les mêmes raisons. Hein. Pourquoi tu pleures, maman? Non, oui, va tenir ça, la pépette. On ne vient pas tous sur la toile pour les mêmes raisons. Attention. Il y a des belles rencontres. Hein. Si toi, tu n'as pas su profiter de ça, c'est dommage. Mais tu me laisses avec Fleur de Lille tranquille. Oui, elle est Bamileke, c'est ma Bamileke à moi. Elle fait partie de ma famille maintenant. Elle fait partie de ma famille maintenant. Ça fait que n'importe qui se permet vient m'insulter. Waza, awa. Waza. Ma soulune, awa. Waza, am bibidouk. Awa karsom zurzoué. Waza, wazo kwabenye. Zamen. Ma soulou nous boit zamen. Awa. On se croit bien, wa manga bien, ma. C'est ce que tu vas apprendre à tes orphelins, là. Vous voyez, coin les têtes des gens. Pour amener le tribalisme. Tout ça rien que pour vous. Quand tu te couches, qu'est-ce que tu te dis? À quoi tu penses? Les gens réfléchissent à ta place? Tu sais comment j'ai fait pour accoucher mon petit dernier là, Nicolas? Nicolas que tu as vu jusqu'à tu appelais ton bébé? J'ai fait 13 ans. 13 ans, je pine aller-retour avec mon mari. L'enfant ne vient pas. 13 ans. Et l'enfant arrive quand je ne m'y attends pas. Je me rends compte que je suis enceinte 2 mois. Avec toutes ces difficultés. Toutes ces difficultés-là. C'est une concentration. Hein. Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Et c'est des sacrifices. Alors, il ne faudrait pas que ces sacrifices-là, que moi j'ai eu, à accepter dans ma vie que ça se retourne contre toi. Je te dis ça. Tous les jours, ce n'est pas rose. On est ici en Mbeng et on connaît les difficultés de Mbeng.
quand vous parlez souvent aux gens, faites attention. Faites ça dans vos saletés ou que vous faites là-bas. Parce que vous ne respectez pas vos parents, vous n'avez plus de famille. Vous avez régné vos familles. C'est quand on vous parle, vous êtes comme des gens qui n'ont pas de famille, à qui... Non, moi j'ai encore de la famille. J'ai une famille que moi, j'ai procréée. Arrête Nicolas. J'ai une famille que j'ai procréée. J'ai des enfants. J'ai un mari. D'accord? L'éducation qu'on m'a donnée. Je vais inculquer ça à mes enfants. Donc ne précipitez pas certaines choses. Ça va très vite. J'aurais pu faire la pire connerie de ma vie, tout en sachant que je n'avais rien à voir là-dedans. Donc, laissez-moi dans mon coin. Et vous continuez toujours. Tata, je t'ai vu. Je vais te rappeler dès que j'ai fini. Je t'ai vu, tata. Je sais. Je t'ai vu. Je vais couper. Je vais couper. Mais il fallait que je parle. Il fallait que je sorte ce que j'avais dans mon cœur. Il fallait que je sorte ça. Et j'ai prié pour que justice soit faite. Voilà ça aujourd'hui. Vous avez mélangé des familles. Vous ne vous rendez pas compte. Qu'est-ce que tu aimes m'entendre que parce que tu n'accouches pas? Tu sais qu'il y a des femmes qui n'accouchent pas, qui ont un cœur. Je ne sais pas. Tu parles de quoi là? Tu parles de quoi? Hein? Qu'est-ce que tu m'entends que tu n'accouches pas? On va venir te mettre ça là-dessus. Non? Il y a des femmes qui sont sans enfants, mais il faut voir le cœur que ces femmes-là ont. L'amour qu'elles ont pour donner. On te dit même que ce n'est pas son enfant. Tu ne peux même pas imaginer. Laissez-moi tranquille. Tout ce que vous avez tissé là sur moi. Laissez-moi tranquille dans mon coin. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi avec ma fleur de Lille. Laissez-moi avec elle. Parce que c'est là où ça vous énerve même le plus. Mais je vous dis et je vous redis, laissez-moi avec ma fleur de Lille. C'est ma fille. Laissez-moi avec elle. Si j'appelle ma fille, c'est elle qui m'a donné le nom de Tata. Je ne peux pas l'accoucher. Mais c'est par respect. Donc moi aussi, j'ai dit ma fille, laissez-moi avec elle. Laissez-moi avec elle. Je n'étais pas obligée de te suivre. Si tu avais su un seul instant que j'étais ta grande sœur, avec tous les conseils que je te donnais aussi, tu allais dire ça. Et tu allais m'écouter. Et tu allais dire que non, ma grande sœur ne peut pas faire ça. Tu allais prendre la peine de m'appeler ou même venir me trouver chez moi. Et tu n'as pas fait ça. Tu m'as exposé plutôt. Tu m'as vendu. Calgary woman. Tu as l'air de courir là. Calgary woman. Oui, comme Manabe, ma carwa. Oui, comme Manabe. Parce qu'ils sont combien? Comme moi. Aujourd'hui, je parle. Mais ils sont combien comme moi? Qui gardent cette colère-là? Tu connais certains de tes ennemis, mais tu ne sais pas ceux qui sont cachés. Fais très attention. Fais très attention. Moi, je ne vais rien te faire. Hein. Moi, je ne connais pas la méchanceté. Hein. Voilà, comme j'ai parlé, là, c'est sorti. Parce qu'il fallait que ça sorte. Mais je vais te dire, fais très attention. Tu as causé beaucoup de dégâts. Tu as causé beaucoup de dégâts. Remets-toi sur le droit chemin. Il est temps. Et sois vrai envers toi-même. Sois vrai envers toi-même. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse. À un prochain direct. Bon week-end à tous. Bon samedi. Qui est Belinda là? Ok, Flon Job, je vais couper. Émilie Bianca, Neva, ok.
la blonde, je bois ça. Mais je sais aussi boire le champagne. Je sais aussi boire du bon vin rouge. Merci pour les cœurs. Fallait que je parle. J'en avais déjà marre. Vous m'avez fabriqué sans savoir. Mais ce n'est pas vous qui m'avez fabriqué. Moi, je suis fabriqué dans le positif. C'est ma fille Flore qui m'a fabriqué. C'est ma fille Flore. Je meurs avec elle. Je suis avec elle, comme on dit. Ceux qui m'ont manqué de respect, ma Nelly, je les ai déjà insultés. Qu'ils partent avec. Parce qu'ils pensent comme ils ont le monopole des insultes. Nous, on ne peut pas insulter. Ça va arriver jusque dans ma famille là-bas. Ils vont comprendre. Ils savent que je suis comme ça. D'accord? Bitoum, nye, mboal, un. Itemina, ngual. Ngualine, mina, ngual. Vous qui m'avez insulté là. Ngual. Itemina. Wasami nkang. Inga korki. Nye wok. Nye se teza. Ntombongwan vorada. Je suis née dans la noblesse. Je suis belle. Oui, je me vante. Avec mon gros cul. C'est ça la vraie fille Betty. Tu ne la cherches pas. Ou me soave. Y'a can. Y'a un lot. Y'a un bien. Y'a me bé. Ou me soave. Venez m'insulter. C'est tout ce que vous savez faire. C'est comme ça que vous restez aussi dans les ténèbres. Pendant ce temps, nous, on avance. Ok? Pendant ce temps, moi, j'avance avec mon mari. C'est ça qui empêche que mon mari me pine tous les jours. Mais il n'a pas mis correctement et bien. S'il ne venait pas vous donner les 15 euros là, vous allez faire la cotisation comment pour aller au Cameroun. Il y a bien que Rebodon. Mbé lang à termine. Itere. Mbé lang. Mvite. Nye. Et bah là, mes amis. Bisous, merci. Merci pour tous ceux qui m'ont supporté. Merci pour tous ceux qui ont cru à moi. Merci pour tous ceux qui ont pris la peine de m'appeler et de me dire « Calme-toi, ma chérie. » Merci à ma famille qui ont compris. Merci à mon grand frère, à mon petit frère, ma petite soeur, ma maman chérie. Merci à tous ceux-là parce que ça commence d'abord par ma famille. D'accord? Et merci à tous ces amis, tous ces gens qui ont pris la peine. Merci à la team. Comme je dis toujours, merci, 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 merci. Je ne manquerai jamais de vous dire merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à la PDG, à ma fille Flore de Lille. Merci pour tout ce soutien que tu m'as apporté. On ne se connaissait pas, maintenant on se connaît déjà. Maintenant on se connaît déjà. Voilà. Donc merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à toutes ces personnes qui sont sur Facebook. Aujourd'hui, c'est des belles rencontres. C'est des amitiés fortes. Merci pour tout cela. Parce que tu peux aimer quelqu'un de loin, tu ne l'as même jamais approché, tu ne l'as jamais vu, mais tu apprécies ce genre de personnes. Merci pour tout cela. Merci beaucoup à tous. Et je suis désolée encore. J'espère que vous avez compris mon message. Je suis désolée encore pour tous ceux qui ne voulaient pas que je le fasse, mais il fallait que je le fasse. Parce que vous savez, tu gardes quelque chose dans le ventre, à un moment donné, ça pète. Voilà. Et ça n'a pas pété par rapport à moi. C'est venu d'ailleurs. Et je me suis sentie soulagée. Il fallait que je le fasse. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui provoque. Depuis que j'ai enfanté, depuis que j'ai ma petite vie de famille, je sais déjà faire la part des choses. J'avais un gros cœur comme ça. J'ai eu le temps de le travailler. Mais depuis que j'ai mis au monde, je ne peux plus me permettre de faire certaines choses. J'ai de la famille. Je représente beaucoup, énormément pour ma famille. Donc, je ne peux pas me permettre de faire certaines choses. C'est pour ça qu'il fallait que j'en parle. Il y a des messages parfois qui peuvent passer comme ça. Et qu'il faut savoir que vous heurtez beaucoup de familles. Vous divisez beaucoup de familles comme ça. Donc, arrêtez le massacre. Arrêtez ça. On n'a pas besoin de ça sur la toile. On n'a pas besoin. On veut la paix. On veut l'amour. Donc d'emblée, si j'ai parlé aujourd'hui, c'est parce que je t'ai excusé. Et je te pardonne. Parce que je suis une croyante. Et je prie.
C'est pour ça que je te pardonne. Mais demande à tes gens de ne plus afficher mes enfants. N'affichez plus mes enfants. Ma maman, mes frères, faites de moi ce que vous voulez, je prends les coups sur moi. C'est pas grave. N'affichez plus les enfants. Vous ne vous rendez pas compte du massacre que vous êtes en train de faire. Vous ne vous rendez pas compte. C'était mon message d'aujourd'hui. On est samedi. Le soleil vient d'arriver. Je brille. Et je vous transmets aussi bisous à vous, bisous, bon week-end, on se revoit très bientôt, bisous.